Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit live du mercredi. Un petit live du mercredi que j'aime beaucoup maintenant. J'ai trouvé mon format, j'ai trouvé mon sujet dans ce petit live. Bien évidemment, je lirai vos commentaires, je répondrai à vos commentaires, j'interagirai. Compliqué ça. Avec vos commentaires, bien évidemment, et je vous présenterai tous les produits que j'ai reçus dans la semaine. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram, Greg le Geek, c'est Greg le Geek partout, je cherche pareil, Instagram, tout, c'est tout partout, partout Greg le Geek. Tu mets Greg le Geek et ceux qui ont déjà eu Instagram, ils ont déjà vu les produits, mais là, ça permettrait peut-être de passer un peu plus de temps sur les produits que j'ai reçus, voilà, de vous les présenter, de vous mettre des petits liens comme ça, tu sais, discrètement, comme ça, regarde, je mets les liens, je voilà, ici... Ici aussi, vous retrouverez le lien de tous les produits que je vais vous présenter. Si jamais vous les achetez en amont, je sais que le support avec le casque et tout, il y en a deux, trois qui les ont déjà achetés bien avant que je fasse la review. Ils étaient convaincus, ils allaient, c'est bien ça, c'est bien, c'est beau, c'est propre, ça a l'air de fonctionner. Ta review, on s'en bat les couilles, on achète d'abord. Donc vous l'avez reçu presque le jour de la review. Voilà. Donc voilà, comme ça, si vous voulez acheter, en plus, c'est des liens d'affiliation, ça permet de me soutenir moi dans l'aventure et de se dire, voilà, ces petits likes, ça fait plaisir aux marques puisque ça fait un peu plus de redondance. Moi, je parle un peu des produits. Vous, ça permet de découvrir des produits souvent en avant-première parce que là, par exemple, c'est tous les produits qui vont arriver au mois de mai. Donc en théorie, En théorie, Ami Express, il n'a pas encore fait. En théorie, on devrait avoir les produits et on devrait pouvoir vous les présenter, plus des produits qu'on devrait avoir que nous. On devrait être plutôt pas mal là. On parlera de tout. J'ai eu pas mal de petits contacts qui sont relativement sympathiques, Patrick, et des marques récurrentes qui sont revenues, des anecdotes. Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous me rappelez pendant le live? Anecdote rigolote avec une meuf qui voulait faire des hôtes et tout, voilà. Vous pouvez me le rappeler, comme ça je rappellerai. De la récurrence, notamment avec Choc, je crois, qui revient et tout. Puis voilà, il y a pas mal d'autres, j'oublie ce que je devais dire. Ouais, il faut vraiment que vous notiez, hein, que vous me le rappeliez en disant, tiens, donc vous mettez un petit commentaire, ça permet de revenir à la charge. Allez, bim, badaboum, on commence. Bonjour à Wizbot, bien évidemment. Bonjour à Shadow, notre modérateur qui est toujours à l'heure. Bonjour à Fred, on est trois. Oh, vous êtes un peu plus que ça. Oui, mais le truc en bas, il marche pas. Ça marche après, à la fin. Vous n'êtes pas à 1. Non, vous êtes au moins à 3-4 là. Là, c'est sûr. Chaud, cacao, Instagram. Ah oui, parce qu'il a fait des codes Instagram. Greg le Geek, bien évidemment, pour me follow. Bah, GLG qui a foutu tous ces petits liens, c'est pas mal. Shadow Sub. Alors, si tu veux t'abonner, alors tu peux t'abonner à Twitch. Alors, c'est gratuit pour me suivre. Si tu veux t'abonner, si tu as un compte Amazon Prime, tu peux t'abonner gratuitement. Voilà. Et tu auras droit à des petits emojis spécialités. Et tu n'auras pas de pub. Personne ne va l'avoir, c'est plus de même. Tout seul. Mais moi, je regardais le replay. Comme je regardais le replay, mais que c'est par rapport à l'enregistrement local, il n'y a pas de pub non plus. Je regardais le replay, puis je me suis dit, ah, peut-être on pourra avoir la pub. En fait, non. Pas de pub non plus, voilà. Personne là. Voilà. Si vous avez la chance de voir la pub, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez vu. Ça sera à la demi. Ah oui, ah oui. Bonjour à Dabuzman. Allez, on est monté de 1 à 7 quand même. Voilà. Bonjour à Dabuzman. Bonjour à Stani. Super vidéo, bah écoute, merci beaucoup pour le laquelle. Alors, est-ce qu'elles sont toutes super et tu es comme le père avec ses enfants, tu ne peux pas choisir, elles sont toutes bien. Ou alors, c'était la vidéo avec le casque qui n'a pas décollé de ouf, qui marche pas de ouf, malheureusement. Je pensais qu'elle allait marcher mieux que ça, tu vois. Gaming, casque, elle a un peu de mal. Un peu de mal à prendre. Ouais, pour moi qui décide, hein. Après. Si c'est moi qui décide, c'est moi qui... Non, j'ai fait le taf. Après, elle prendra. Avec un peu plus de temps. Alors, cette trottinette est adoptée. Alors, cette trottinette est toujours pas déballée, surtout. La trottinette est dans le carton dehors, là. J'ai pas trop le temps, là. J'ai eu pas mal de... Vous avez vu, il y a pas mal de reviews. J'ai eu notamment... Cette semaine, la vidéo du casque avec le hub et tout, donc là, c'est quand même deux produits en un, c'était pas mal. Et j'ai quand même passé beaucoup de temps sur le OnePlus 10 Pro 5G Hasselblad. Alors, on dira tout le mal qu'on veut sur OnePlus, et sachez que je ne mâche pas mes mots avec OnePlus. C'est pour ça que je dis dans la vidéo, d'ailleurs, ils sont tous partis, car le pays s'est vite échappé, hein. Il a senti le truc déjà depuis un petit moment, il s'est vite barré, hein. Voilà. Donc, on dira tout le mal qu'on veut, ce OnePlus 10 Pro, il est quand même atomique. Photo, vidéo, je suis resté longtemps sur la partie photo, vidéo, c'est le top de chez OnePlus, et c'est vrai que photo, vidéo, il défonce, donc
ça m'a pris beaucoup de temps. Et même la vidéo, tu vois, où normalement j'essaie de tourner 10 minutes, là, fait vite 15 minutes, qu'il y a beaucoup de plans vidéo, beaucoup de photos, beaucoup, on a testé les modes et tout, voilà, en essayant de faire quelque chose qui est pas trop pompeux, mais qui est assez complet. Donc ça m'a pris pas mal de temps, voilà. Et là, je devais préparer une autre vidéo pour Wondershare, pour avec Dr. Phone. Ça marche pas. Voilà. Je l'ai installé sur Mac. Voilà, sur mon Mac, donc j'ai acheté Dr. Phone sur Mac, très bien. Je vais pour faire le... Je mets mon téléphone, en fait, Dr. Phone sur Mac ne reconnaît pas les téléphones Android. C'est con, hein. Et oui, Dr. Phone sur Mac ne connaît que les iOS. Alors, je lui écris, j'ai dit, ouais, mais enfin bon, voilà, quoi. Moi, j'ai un téléphone Android, j'ai un Mac. Elle me dit, je me renseigne, et j'ai l'impression que ça va pas marcher, quoi, voilà. Donc, il faudrait un PC Windows pour... Dr. Phone fonctionne pour les téléphones Android, mais le problème, c'est que bah, le mini-PC est toujours dans la boîte aussi, et là, j'ai pas encore déballé. Donc, j'ai pas eu trop de temps, et la trottinette, elle est toujours dans la boîte. J'avais la vidéo de la béquille pour WTS. Pour ce dimanche-là, j'ai la vidéo du casque BMX Motocross. Et après, j'ai la vidéo, donc on fera de la, certainement de la batterie ici. Il faut quand même que j'aille faire des balades et tout, enfin tout ça, tout ça. Donc la trottinette n'est pas encore déballée. Alors la trottinette, c'est pour le mois de mai, normalement. Mais juin, normalement, j'espère avoir l'autre trottinette. Je pense qu'elle sera arrivée d'ici là, la petite, un peu sans les suspensions, sans rien. Et pour le mois de juillet, on est en train de voir avec AliExpress. Elle m'a proposé 3 vendeurs de vélos électriques, notamment des VTT et hein, on dirait une espèce de petite moto avec des pédales et tout. Donc ça, ça pourrait pour le mois de juillet. Oh putain, je ne me raconte pas, je suis déjà, putain, j'ai déjà 1, 2, 3, 4 vidéos prévues pour le mois de mai. Oh, merci à Dabuzzman pour son abonnement. Voilà, alors, je sais pas si c'est un Prime. Ah non, a offert un, okay. Alors Shadow a offert un abonnement à Dabuzzman. Merci à Shadow, et puis bah Dabuzzman, pas de merci parce que t'as rien fait. Non, merci quand même, voilà. Donc la trottinette, j'ai pas encore déballé, il faut que je fasse une petite vidéo de déballage. Le truc, elle est dehors. Ça vaut... Elle vaut coucher quoi, elle vaut 1200 balles. Elle est dehors. Enfin bon, le OnePlus, il vaut 1000 euros. C'était plus intéressant. Non, ouais, non, il faut juste que je prenne un peu le temps, que je la déballe, que je fasse une petite vidéo et voilà, qu'on regarde un petit peu, qu'on aille faire des tests. Oh putain, la vache, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non, mais bon, après, voilà, on fait quand même 2-3 reviews par semaine. Va, qui va piano, va sano, comme diraient les Américains. Alors. Bonjour, okay. Super vidéo, ok, la trottinette c'est bon. Elle était hot pour faire des hot. Alors, je vous raconte un peu l'histoire. J'ai contacté par une marque qui vend des hot high-tech qui sont amovibles, tu vois, où il n'y a pas besoin de mettre de trous et tout pour nettoyer le truc. Donc, elle me dit on pourrait faire ça et tout. Alors bon, au début je réfléchis, je vais la foutre où cette putain de hot. Père Noël, c'est pas la saison. Après, je me suis dit, bon, bah, Jean, il a un appart, au pire, je lui dis, écoute, je te la donne. Ça, c'était pas donné, en plus, hein. C'est un truc chéro, hein. Si je te la donne, on l'installe chez toi, et on fait la vidéo, et puis après, il la garde, tu vois. Ça te permet de dire, voilà, il aurait voulu le faire, comme ça. Et, donc, voilà, donc, je lui envoie les prix. Alors, elle me répond, elle me dit, oui, alors, nos conditions, alors, le paiement à l'avance, elle me dit, c'est non, hein. Nous, c'est pas comme ça. Et elle m'envoie un putain de contrat, mon pote. Je l'avais pas vu des comme ça. Alors, déjà, je disais paiement d'avance, sinon, parce qu'on sait les mecs, si vous payez pas d'avance, on fait la review, vous disparaissez. Et d'ailleurs, en parlant de clients, à revenir à l'heure, de clients qui viennent et qui disparaissent, on a été recontacté par un truc de rétro gaming. Vous savez, une marque en France qui nous a envoyé une petite console rétro gaming. Ouais, alors nous, on paye quand on a le draft et tout. Donc, on fait la vidéo, on leur envoie le draft. Puis, ils traînaient un peu du pied. Entre temps, ils vendaient plus la console. Donc, ma review, dans le cul. Donc là, je pense que ça a dû bouger chez eux. Il y a un nouveau qui arrive. Oui, bonjour. Comment on a déjà collaboré ensemble, savoir si on pouvait recollaborer qu'une nouvelle console et tout. J'ai envie de lui dire, mon pote, tu me l'as mis une fois. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois une personne. Voilà. Donc c'est non. Donc pour revenir à la haute, alors j'ai dit non, c'est paiement d'avance. Et après, je lis son contrat. Alors, toute la vidéo, elle est à elle. Hein. C'est-à-dire que tous les rushs, les vidéos et tout, on doit leur envoyer, c'est à eux. On va dire, bah, si tu veux, non, c'est YouTube et c'est tout. Et deux, interdiction de travailler avec un concurrent pendant toute la période de la promotion, sinon, ils ne payent pas. J'ai répondu, j'ai dit, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. J'ai dit, merci, on va pas prendre la review. Après, je me suis dit, je vais me faire chier avec cette hotte et tout, là. On va pas prendre la review, voilà. Par contre, il va y avoir de la bagnole électrique. Je vous le dis comme ça. Oui, la nouvelle MG électrique, elle arrive en Thaïlande et Jean, il en a acheté une, il va la recevoir dans les premiers, donc... Bim, badaboum, voilà. Donc, pour venir à la haute, oui, la haute, un contrat de ouf. La meuf, je sais pas, elle vient d'arriver, c'est... tombé du cerisier, là. Oh,
Ah ben, c'est tout à nous, et puis on paye, faut avec les concurrents, et, c'est... et ta sœur en string et tout, en photo, non? Non? J'ai pas de sœur déjà. Ma dolce. Voilà. Voilà, c'était pour l'anecdote. Moi, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, les meufs, elles arrivent vraiment. Donc tu leur dis non. Tu lui dis non, j'ai dit, non, elle s'est tombée. Oh, on prend pas la review, machin. Donc je pense qu'elle va revenir. Soit elle revient. Oh, s'il vous plaît, oh, reprenez-moi. Je suis nouvelle, je suis jeune et vierge. Bon, vierge, peut-être. Voilà, c'était pour l'anecdote. Moi, ça m'a fait marrer. Voilà, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, putain, les meufs, elles manquent pas d'air. T'sais, pour le prix, c'est pas possible. Au pire, si vous voulez vraiment les rushs, les droits d'auteur sur la vidéo et tout, le prix, il part en sucette. Si vous voulez une exclusivité, alors là, je veux dire, le prix, c'est 10 fois le prix, quoi, point barre. Mais c'est vraiment, tu sais, ah, mais si vous travaillez avec d'autres, on vous paye pas. Alors, tu fais la vidéo, après, tu représentes, mais ah, mais non, ah, papa, vous travaillez avec. Alors, on a, j'ai pas l'air qu'on travaille avec beaucoup de marques d'électroménager, mais on en a quelques-unes. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Moi, ça me fait sourire toujours, voilà. Bonjour à Dams, toujours le meilleur GLG. Eh ben écoute, merci Stan, le loup, c'est ça? C'est toi? De Charmaille? Non, je pense pas. Les gens savent pas tout. je ne pense pas. Bonjour, monsieur Vincent. Il les a vus. Bonjour, alors Shadow, Stan, toutes les vidéos sont super. Vive le Shadow. Merci, merci beaucoup. Oui, bah après, voilà, le Shadow. Non, mais on est bien là-bas. Après, à chaque fois, j'ai pareil. Genre, c'est quoi, bah, on s'est vu hier, du coup. Je dis, ah, bah, on se retrouve là-bas. Et après, je fais mes photos et mes vidéos dehors. Il y avait un vent de ouf au Shadow. Et vous le verrez dans la vidéo du OnePlus demain. Alors, ceux qui sont déjà tipeurs. Voilà, aujourd'hui, la vidéo, normalement, vous avez déjà reçu un mail comme quoi la vidéo du OnePlus 10 Pro est déjà disponible sur Tipeee. Vous pouvez la voir en exclusivité, comme ça, comme ça. Après, si vous voulez faire un petit tip, si vous mettez 1 euro, vous êtes tranquille pendant un mois, enfin pendant tout le mois en cours, vous pouvez voir les vidéos avant tout le monde, et sinon la vidéo tombera demain. Je la mets en ligne comme ça, alors à jeudi, vendredi, et puis après tout le week-end, je pense à une vidéo qui va bombarder un peu, parce que le téléphone, il est quand même un peu incroyable. Et je l'ai dans la vidéo... Est-ce qu'il vaut ces 1000 euros? Oui, mais pour 1000 euros, t'as du Samsung, t'as d'autres marques, quoi. Enfin bon, maintenant, il n'y a plus que Samsung. Donc, malheureusement, la philosophie de OnePlus, ça aurait été plus, tu vois, 699, tu vois, un peu agressif, comme on l'a vu avec le Nubia Red Magic 7, par exemple, qui n'était pas aussi cher que ça, qui faisait 799, je crois. Bon, 799 à 999, c'est quand même 200 balles de moins. Et le Nubia Red Magic, il a aussi un Snapdragon. Alors, il est moins chiadé en photo, mais il était quand même pas mal, tu vois. Donc, mais bon, OnePlus, ils sont plus pétés. Bonjour, premier live. Je te rate à chaque fois. Eh ben, écoute, comme quoi, 1, il faut toujours une première fois. 2, ça va bien se passer. 3, ça fera pas mal. De quoi il parle? Pas du tout. Et bah, bienvenue. Ah, 14 déjà, c'est pas mal. Il commence à y avoir du monde. Elle est trop tinette. Elle est trop tinette, oui. Alors après, c'est vraiment les 1200 watts. Est-ce que 1200 watts, c'est la batterie? Mais je pense pas. Mais je pense que ça va être deux moteurs 600 watts. Pas un 4x4, un 2x2. Est-ce que les tuyaux bleus sont rangés? D'accord, ok. Ah, ok. Donc Stani, c'est... c'est Jean. C'est ça. Stani, c'est Jean. Ok, d'accord, ok. Je viens de comprendre qui tu es. Il m'a dit, tu m'as dit que tu venais. Après, bon, après, entre le dire et le faire, il y a un espace. Il y a et le. Bon, elle est bien celle-là. Entre le dire et le faire, il y a et le. Elle est bien celle-là. Je ne sais pas s'il y en a qui l'a déjà plombé, celle-là, mais elle est pas mal. Comme ça, le mec qui réfléchit. Entre le dire et le faire, il y a et le. Chien. Voilà. Bon, revenons-en. Il est plus sur OnePlus qu'Carl Pei. Non, Carl Pei, il a quitté le navire. Il a monté Nothing. Carl Pei est parti il y a un petit moment de ça, où il a senti que bah, toute la marque reposait sur lui, parce que c'est lui qui faisait le marketing, la promotion, tout ça. Et il a senti que ça commençait à sentir la merde. Donc, il est parti. Enfin, parti. Il a dit, je pars. Certainement en deal avec BBK Électronique. Et je monte ma propre marque qui s'appelle Nothing. Tu te rappelles, les écouteurs, machin, tout ça, tout ça. Et il a monté Nothing, et il s'est associé avec tous les gros youtubeurs et les gros influenceurs qu'il avait connus grâce à OnePlus, notamment Kazanesta, des choses comme ça, le mec de Twitter, en disant, je vais monter ma marque. Derrière, il y a BBK Electronics, bien évidemment, qui veut faire une autre marque, une autre philosophie. OnePlus, c'est un peu plombé. OnePlus, et après, du coup, est retourné
dans les locaux de Oppo maintenant, et donc ils sont un peu sous l'affiliation de Oppo, et OnePlus devient un peu une des gammes de Oppo presque, hein. C'est-à-dire qu'il y a Oppo, la gamme Renault, la gamme Ace, et certainement pas la gamme OnePlus, mais ça fait partie, toi, du même groupe, les mêmes locaux, et pour réduire les effectifs. Voilà, c'était la petite minute bulture de la journée. Je croyais que OnePlus, ça sentait le sapin. Ils sont venus dans le game. Alors OnePlus, ils sont, comme je viens d'expliquer, ils sont retournés sous la coupelle de Oppo, puisque merci à BZH pour les diamants qui restent éternels. Quand ça sentait mal, en fait, le PDG, Carl Pei est parti, le PDG de OnePlus a également pris un autre boulot chez Oppo, c'est-à-dire qu'il travaillait chez OnePlus et chez Oppo en tant que numéro 2 ou numéro 3, d'accord? Comme ça, il avait les deux casquettes pour gérer les deux boîtes. Puis après, au bout d'un moment, on sentait bien que le but, c'était de refaire venir OnePlus dans la filiale de Oppo. Ils en sont... Ah, au début, ils ont fait croire que... Mais voilà, depuis le début, c'était comme ça. Donc, ils sont devenus... Et comme je dis, ça devient une espèce de marque du groupe Oppo. Un peu, tu vois, comme Vivo à Iku, quelque part. Oppo, en disant, on réintègre OnePlus. Ça leur permet d'avoir une deuxième marque, comme Xiaomi avec Redmi et Poco, tu vois. Ça leur permet d'avoir plusieurs marques qui sont pseudo-indépendantes, mais dont on retrouve pas mal de trucs. Et ça permet surtout à la marque OnePlus de continuer sous cette entité qui s'appelle OnePlus, avec leur ROM oxygène, et comme je l'ai dit dans la vidéo, avoir une ROM oxygène avec des caméras Hasselblad qui sont les premières caméras à avoir été sur la Lune, oxygène, la Lune, tout ça, j'étais content de ma blague, j'ai bien l'impression que je vais être tout seul, rire de ma blague, voilà, c'est le plus important, voilà, moi et... Ah c'est Stani, c'est pas Stan, alors c'est quoi? C'est Stani, moi et Stani, Stani il a de l'humour, il rigole à mes blagues, ou alors il cherche à me faire plaisir. Je croyais que OnePlus ça a toujours sens, vous avancez vraiment le sapin, mais voilà. Bonsoir ou bonjour. Oh, Franck Framblix, il est abonné depuis un petit moment, parce que je rappelle, tous les abonnés ont droit à un petit logo Pangeek. Et plus vous êtes abonné longtemps, plus votre Pangeek est élevé. Je crois qu'il y a le Pangeek, après il y a le Pangeek mignon, il y a le Pangeek Yoda, il y a le Iron Pangeek. Voilà, il y a du cadeau. Hein. Bon, ok. Davesman, hello, ok. Fred, bonjour tout le monde. Bonjour à Wizbot. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Shadow. On dit merci Shadow, bien sûr. Le OnePlus est plus léger que la trottinette. Ah, bah ouais, non, mais c'était plus facile là. Non, mais de vous à moi, avec sa batterie 5000, charge 80 watts, charge sans fil, 50 watts, le Snapdragon 12 plus 256 et tout, il est chiadé quand même ce téléphone, c'est un téléphone à 1000 balles, alors 919 en promo pour vous avec la version 12 plus 256, comme ça, si vous êtes tipeur, vous pouvez aller voir. C'est vrai que la photo et la vidéo à l'avant, à l'arrière, il y a la stabilisation vénère, comme je dis, il y a vraiment une stabilisation plus qui est ultra lisse et tout, il y a des effets vidéo et tout, le mode dual view et tout, il est quand même chiadé, voilà. J'ai failli le garder en me disant, putain, merci beaucoup à Shadow pour les diamants x5. Ah, il suit. Shadow suit. BZH lance, Shadow suit, qui relance. J'ai hésité à me le prendre, mais bon, le problème, c'est que j'ai plus besoin de sous qu'un de la OnePlus. Là, aujourd'hui, j'ai deux personnes qui veulent l'acheter. J'ai plus besoin de la review, puisqu'il faut payer toute la structure interne et tout. Voilà, la vidéo, malheureusement, elle est gratuite, comme je dis, mais bon, elle est pas gratuite, quoi. Il va falloir bosser un peu. Donc, j'ai failli, je le garde, je le garde pas et tout. Mais après, je dis, non, je le garde pas. Le mien va très bien en même temps. Et pour mieux que je revende le OnePlus, il est tout neuf. Le mec vient instantanément le chercher vendredi. Tout va bien. Voilà. Et ça fait toujours, voilà. Et je garderai le prochain. Alors, je suis en autre deal avec OnePlus, mais via AliExpress, d'un miracle, on est passé d'un miracle à un triple miracle chez elle. Elle voulait, oui, je proposais le OnePlus et les deux nouveaux OnePlus qui vont arriver au mois de mai. Je dis, ah bon, deux nouveaux OnePlus et tout. Aucune idée. Pas de rien, tu sais, vraiment truc. Alors, je dis, bah, m'y choisissez. Je dis, bah, le OnePlus 10 Pro, non. J'ai déjà fait. J'ai dit, je prends les deux autres et tout. Elle me dit, ouais, en cas, il y aurait moyen de faire une vidéo avec les trois téléphones dedans.
Alors comme ça, brut pour point, tu dis bon, une vidéo avec les trois téléphones pour les comparer en photo, vidéo, enfin je dis c'est un taf de dingue, parce que là il faut se comparer les téléphones et tout, les photos, les vidéos avec chaque téléphone et tout, mais bon, trois téléphones OnePlus quoi, dont un OnePlus 10 qui vaut au moins 800-900 balles, et les deux autres nouveaux qui à mon avis vont pas être cadeaux non plus quoi. Pas enfin, cadeau pour moi, mais pas cadeau pour vous. Donc, j'attends qu'elle me réponde. J'attends, si elle me répond, normalement, je devrais vraiment envoyer 3, 1, le même, et 2 nouveaux OnePlus. Ce qui serait plutôt pas mal. Voilà. C'est juste pour, voilà, pour faire ma connasse. Fred, je rigole. Ok. C'est des ouf avec... Ah ouais, non mais les contrats, non mais là, on tombe toujours sur une meuf qui arrive de je sais pas où, là, tu sais, la meuf, elle y croit, elle tient, ton prix, mon prix, il est quand même super serré, parce que, voilà, aujourd'hui, je vais pas dire que je mise plus sur le volume, mais je connais les Chinois, et je sais que, voilà, ils ont besoin d'un tarif un peu agressif, même si on fait un peu plus de vues et tout. Mais là, après, pour les copyrights de la vidéo et tout, c'est non, et après, de pas traiter avec les concurrents, c'est non non plus, je veux dire... L'autre, elle a vu ça où, là? Elle a vu la Vierge, ou quoi? En Chine, il n'y a pas la Vierge. Non, pas jusque là-bas. Pas de passeport, pas de visa. Puis quarantaine et tout. Impossible. Donc là, c'est l'abonnement. Comme disent les ricains, pull me once. Shame on you. OK. Show me twice. Shame on me. OK. OK. Bon, c'est de l'américain. Alors, avec plaisir. OK. Le OnePlus vaut un bras. Bah, le OnePlus vaut un peu un bras, ouais. Le OnePlus 10 Pro, quand même. Enfin, là, il y a une promo, normalement, 999, la version 8, plus je sais plus combien, en France. Et 999, la version 12, plus de 56. Et là, donc, du coup, la version 12, plus 56 est au prix de la version pas chère, soit 919 €. Bah, quand même, 900 balles, quoi. Après, c'est un OnePlus, alors... Vous le verrez dans la vidéo, il est quand même ultra chiadé, quoi. Quoi qu'on veut en dire, il est quand même ultra top. Et il est quand même ultra top mieux en photo-vidéo que le déverrouillage sur celui-là, ça marche quand ça veut, quoi. Là, ça marche de ouf, quoi. L'écran Super AMOLED 2K, il est dingo, on est d'accord, il est dingo. Mais c'est un OnePlus. Voilà, pour un Samsung, on dirait, waouh, c'est normal, c'est un Samsung. Mais là, c'est un OnePlus, donc... Je suis pas sûr qu'il trouve sa cible et tout, mais bon, après, voilà, moi, je m'en fous, j'ai gratté un téléphone à 1000 balles. La vidéo, après, la vidéo, elle fera ses vues, elle fera sa vie, et nous aussi. Rebezédage, Fred, ça sera mieux la deuxième fois. Ok, ok, hello. Tu vas essayer la nouvelle batterie de ton VTT. Alors, ça fera partie des produits, oui, ça fait partie des produits GCLA. Alors, bien évidemment, ça fait partie... Des trucs, j'ai prévu un road trip de 60 km, c'est-à-dire 30 km aller, 30 km retour, juste avec assistance électrique, en mode numéro 3, ça veut dire que ça m'aidera jusqu'à 21 km/h, et d'aller là-bas à la montagne, de faire 30 km, parce que moi, dans ma théorie, la dernière fois, j'ai fait 40 km en full électrique à 25, donc je me dis, bah 30 à l'aller, ça devrait pas être impossible, donc si je l'ai en pédalant, ça devrait être pas mal, et comme ça, je fais les 30, ok, en pédalant un petit peu, tranquille, léger. Et puis au retour, on voit. Merci à Stani pour les petits diamants. Oh, 2-3. Surenchéri 2-3. Je rajoute 3. Comme au poker. Voilà. Donc faire les 30, ça je les ferai tranquille en assistance. Revenir en disant, bah normalement, je dois... merci à Shadow, bien sûr, pour les diamants. Donc normalement, au retour, je devrais pouvoir faire bah, minimum 10. Parce que là, je suis en pédale. Donc... Et peut-être même les 30. Donc, ce qui ferait 60 en pédalant en assistance, qui est normalement correct, parce qu'ils annoncent au moins 100. Et si vraiment, avant la fin, je tombe en panne de batterie, j'aurai quand même la deuxième dans le sac à dos en disant, je l'enlève, je la clipse, et voilà, on peut continuer. Et j'ai pas besoin de finir en full pédalage avec un vélo qui est beaucoup trop lourd pour pédaler. Voilà. Donc, c'est prévu, gros road trip. Je suis démasqué, tu es toujours au top, les reviews sont géniales. Merci. Mais tes reviews sont bien aussi, même si je ne les regarde pas. Mais tout le monde dit qu'elles sont bien. Salut mon modo. Bienvenue, Shadow, successful, and welcome. Oh là là, il met des tags et tout, on va pas y arriver. Bon, allez, on va parler un peu des produits qui sont arrivés. Tac! C'est bien, hein, c'est bien au point, hein, papa, là. Bon, alors, le premier,
est une première. Le premier que j'ai reçu, c'est... Alors, le ProSonic, j'en ai deux. J'en ai un aspirateur balai serpillière. J'en ai pas parlé la semaine dernière, j'ai oublié. Et deux, alors un aspirateur balai et une espèce de serpillière balai. Voilà, bon, le F16 et le Inis, machin. Et la semaine dernière, j'ai reçu le nouveau M8 Pro. Voilà. Les mecs, mais il envoie. Maintenant, je suis son youtubeur préféré, lui aussi. ProSonic, il envoie. Et on en a trois. Dreamy, normalement, elle me dit, on a plein de produits, elle veut me les envoyer, je sais pas. Elle en aime un autre. Même plus moi, mais ProSonic, il envoie. ProSonic, c'est pas chier, lui, il y a un truc, quoi, nouveau là, ouais, je dis, fais péter. Voilà. Donc, ProSonic M8 Pro, bon, pas ouf, hein, après, attends, j'ai enlevé ça, je vois rien. Merci à Stani pour le petit diamant. Tchin. On a l'impression de me lever le matin en plein soleil. Bon, ProSonic M8 Pro, robot aspirateur, laser smart, comme les nouveaux. Hein, on a vu que le LiDAR, on voit que de moins en moins, mais avec leur caméra et leur laser, on a vu qu'ils arrivent à faire le truc bien. 3000 PA, merci à Shadow qui surenchérit et 10. Donc notre gagnant du jour, celui qui a mis le plus haut, c'est Shadow. Merci beaucoup, mon pote. Donc ProSonic M8 Pro, 3000 mAh, c'est pas mal. Bon, bah après que la station et tout, c'est pas le truc qui va changer ma vie et la tienne. 411 €, il est pas excessivement cher, encore une fois. Alors j'attends déjà, mais il a payé déjà les deux premiers, mais il m'a pas envoyé la date, les liens, rien du tout. Et voilà, on attendra qu'il se réveille. Bon, autre truc. Eh ouais. Gravatar Mars. Oui, je suis très lunaire en ce moment. Bah oui, après Hasselblad de la Lune, j'ai le Gravatar Mars. Alors j'avais fait un petit déballage sur... Je vais voir la boîte. Non, mais c'est un truc... Alors, oui, c'est un haut-parleur. On n'a pas l'impression comme ça. Attends, je vais me mettre en plein écran. Que tu vois bien. Voilà. C'est un haut-parleur. Alors, tu as des pieds comme ça qui sortent, d'accord? Ici, là, pap. Là, t'as le haut-parleur. Ah non, t'as le haut-parleur, il est à l'avant. Ah oui, forcément. T'as le haut-parleur. Moi, j'ai le modèle blanc. T'as le haut-parleur à l'avant. T'as un haut-parleur passif à l'arrière. La prise USB type C dessous. Enfin, bon. Voilà, je veux dire, là, tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux, mais enfin, pour un haut-parleur. Oh, 350 balles? Oh la vache. C'est cher. Ah non, il est là, l'avant. Il est où, l'avant ou l'arrière? C'est où la tête? Il est au cucu, il a des têtes. Oh, puis là, à mon avis, tu vois, il y a un espèce de truc tactile pour régler le volume et tout. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça une gueule d'enfer, hein, vraiment. Après, il faut voir le son. Ah, le blanc est moins cher. Ah, le blanc est moins cher, hein. Ah, que 250 balles. Ah, pourquoi on va pas envoyer plus cher? Après, dans la boîte, il y a quoi? Un câble USB, USB type C, coudé, parce que ouais, du coup, on lui met dessous, là. Dans son dessous et un autre câble jack USB type C. Il doit pouvoir sortir en jack et le mettre en USB type C. Il doit y avoir une batterie tout dedans. Enfin voilà, bon, je regarde la gueule de haut-parleur. Bon, 250 balles quand même. J'aurais préféré celui à 350, mais 250 balles c'est pas mal. Et après, tu replies les pieds comme ça. Non, c'est ouf. C'est ouf. C'est vraiment un produit dingue. Et allez, je peux pas vous dire qu'elle est amoureuse parce qu'après, bon, c'est. Mais je crois qu'elle veut tout m'envoyer. Hein. Tout ce qu'elle a, hein. Elle m'a dit ouais, on a ça aussi, ça et les écouteurs et les machins. Ah, j'ai pas remis le, c'est pour ça que ça rentrait bien là. J'ai pas remis le cache dedans. On a ça et on a les écouteurs machin et tout. Elle me dit mais d'abord on commence par ça. Voilà. Merci à Stani. Ouh, 13 record battu. Ah oui, si on avait quoi, on avait Shadow. Et Shadow qui a mis 10, qui a mis celui qui était plus. Et donc du coup Stani qui a surenchéri pour faire chier. C'est peut-être votre guerre et qui a mis 13. Voilà. Battu. Oh, voilà, ça c'est fait. Voilà. Shadow a mis 100. Voilà. Mais non, normalement, faut monter à 26, 30, 50, 100. Voilà. Ouais, tiendra pas le coup, Stani. Voilà. Donc ça, c'est pour venir avec le petit haut-parleur qui arrive bientôt. On dira un robot alien. Ton tripode. C'est ouf. C'est ouf, il est trop cool. Il est trop cool. Moi, personnellement, j'aime tout. J'aime la boîte, j'aime le design et tout. Après, bah, encore une fois, il faut l'écouter. Elle a payé. Ne vous inquiétez pas, elle a payé. Après, voilà, il faut qu'elle me dise la date, qu'on fasse la review. Mais ça risque d'être fortement la review de la semaine prochaine. Hein, puisque la semaine prochaine, pour l'instant, j'ai rien prévu. Ma prochaine review, c'est les One More Evo, le 10. Donc, du 1er au 10, j'ai rien. Après le 18, j'ai le mini PC Geekom. Alors Geekom, elle m'a fait un mail, pareil, cahier des charges, hein, présenter le machin, la boîte, démonter le mini PC, la RAM, la ROM, le ventilo, pour faire voir que tu peux tout upgrader.
J'ai répondu tout à l'heure, j'ai dit, tu m'as pris pour un Mavelec ou quoi? Ah oui, je suis un Mavelec, mais bon, un vieux Mavelec. Je me vois mal démonter le bousin, machin, pour faire voir. Je dis, démonter, ouais, tant bien que mal. On peut enlever les cages dessus et faire voir qu'il y a la RAM et tout, mais de là, merci à BZH, c'était abonné avec Prime pendant 5 mois. Merci beaucoup, mon pote. J'ai de là à tout démonter pour faire voir machin et le remonter après et tout. J'ai dit, ça fait pas partie du cahier des charges là, faut se calmer. Pour plus tu remontes, ça marche pas. Enfin bon, voilà. J'ai après l'ouvrir, faire voir qu'il y a les barrettes de RAM et tout et le SSD M2. Ça, on a compris que c'est upgradable. Et après, bon, un benchmark, ça, je demanderai à Shadow ce qu'il me conseille. Et après, il y a quoi? Mettre deux, voire quatre écrans. Elle croit, tu sais, que c'est la Lune ici. Quatre écrans, on n'est pas dans la station spatiale, là. Trois écrans, un, deux, ouais, deux, peut-être trois, mais bon. Puis en plus, c'est en USB type C, pour mettre des adaptateurs et tout. Oh, c'est un bordel atomique, leur truc, là. Enfin bon, j'ai dit, il y a plein de trucs, on fera comme on veut. Voilà. Si demain, il me dit, comme la dernière fois, parfois, je vais écouter, le produit il est là, vous faites venir un transporteur, vous le récupérez. Comme ils n'ont pas payé. Puis généralement, ils font, ah, mais c'est bon, vas-y, oh, ça t'énerve pas. Généralement, ils disent, ouais, fais comme tu veux. Voilà. Et à la fin, je ferai comme je veux. Bon, on a les écouteurs One More. Alors, ils sont pas encore sur le site, les... Mais non, les One More. Pourquoi j'ai mis les One More? On n'a pas... Je n'en ai pas parlé déjà des One More? La semaine dernière, si, les One More Evo. Sont pas là, 200 balles quand même les One More Evo. J'ai vu Nico de Grand Est, il a fait les Sennheiser là, mais 250 balles. Là, faut voir ce qu'ils vont donner pour 180 balles, ça peut être pas mal. Bon, allez, on parlera de la batterie du vélo. Alors, bonne nouvelle, alors, je sais pas si ça se trouve, c'est marqué dans l'annonce, ou alors c'est parce qu'on a en deal avec eux, mais il m'a envoyé la batterie 14 ampères-heure contre 12,8 ampères-heure sur celle d'origine, donc c'est la même, hein. Tu la clips dedans, si c'est que celle-là, elle est faite par Samsung, la 14 ampères-heure, et que la 12 ampères-heure est faite par LG. C'est simplement la petite différence. Et il m'a envoyé un autre chargeur avec. Merci à Shadow. Ou encore, merci à Shadow pour les 100 bits. Tu as le bits dans la peau. Et non pas la bite dans le... Voilà. Bon, revenons-en. Donc, ils m'ont renvoyé un chargeur. Alors, il est vraiment très léger, très miséreux quand même. Hein. Ça sent... Pas la qualité, quoi. Il y a un petit ventilo et tout, tu sais, c'est vraiment le truc pas cher de pas cher, mais bon, c'est cadeau. Donc, quand c'est cadeau, on va pas faire, mais pas terrible. Hein. Le truc arrive, tu l'attendais pas, personne t'a dit, mais pas terrible. Hein. Voilà. Non, il est quand même pas mal. 48 volts 2 ampères, donc c'est quand même un chargeur de 100 watts, ce qui permet de recharger la batterie comme ça, la batterie. Ici, oui, en Thaïlande, on dit batterie. Voilà, de recharger la batterie ici. Il y a les clés, bien évidemment, puisqu'il y a la serrure et tout. Donc, bon, ça fait un petit pack qui est pas mal. Combien elle fait, la 48? 336 euros. Ah, quand même. Ah, c'est pour ça que les vélos, ils sont chers. C'est pour ça que les vélos, ils sont chers. Même puisque la batterie, elle fait déjà 300... Enfin, non, en plus, eux, ils donnent la... D'origine. Ah oui, dans l'origine, ils donnent la 12 A 8. Et la 14 A, elle fait 380 euros. Il n'y a pas un gap de ouf. Hein, je veux dire, 60 balles. Si à l'achat, ils disaient pour 60 balles de plus, enfin, même 100 balles de plus, on vous donne une batterie de 14 A, je pense que beaucoup diraient donne-moi le top du top de la crème. Alors, pour les acheteurs, non, j'ai entendu l'annonce. Une batterie. Ah ouais. Ah non, regarde. Une batterie vélo électrique. Nanana. De haute qualité. Alors, une batterie vélo électrique intégrée de haute qualité, chargeur 1, 2, la prise sera assortie pour le pays de livraison. Et toi, donc il y a bien le mec a pas lu. Enfin, mais bon, après, voilà, je suis en deal avec eux, je m'en bats les couilles, mais ce qui est marqué dans l'annonce, il me fait mettre la batterie, il me met la batterie. Et voilà, donc dans la batterie, il y a bien un petit chargeur cadeau. Pas mal, pas mal, bien, moi je. Bien, trop bien. Content, voilà, c'est tout. Si moi je suis content, c'est le plus important. Après, vous, il y a beaucoup moins de sensibilité chez vous. Bon, ah tiens, il est 33. Dit 33, je vous mets un peu de pub. Personne ne voit la pub. Il n'y a que moi qui vois la pub. Bon, je vais lire un peu les commentaires. Alors, on dirait un robot alien. N'hésite pas à demander sur Line. Quand tu pourras. Voilà, c'est ça. Bah, après, je vais voir le mini PC. C'est d'ici le 10, le 15. Alors, je vais voir parce que j'ai pas mal. Si ouin de chez Filmoral me dit oui, mais il faut absolument faire la vidéo pour Dr. Phone. Et il va falloir la mettre sur un PC. J'en ai un autre, un espèce de Filmoral, mais version aussi. Elle veut faire une vidéo, mais ça fonctionne que sur PC. Donc là, il faudra que je le mette en route, certainement avant. Mais bon, après, d'ici le voilà, le début du mois, je préparerai la review pour le 18. On fera un Geekbench. Et puis voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout bien.
Sans... Mettons le train de la hype. Le train de la hype. Qu'est-ce que c'est beau. One more time. Bigotine. Ouais. La... Fred, il est chaud ce soir. Hein. La batterie. Oui, batterie. Non, c'est batterie. Parce que les R, ils savent pas faire. C'est batterie. Pareil, les Porsche, c'est poche. Les Ferrari, c'est Ferrari. Et les Rolls, c'est Wall, c'est Wall, c'est... Il y a plein de mots comme ça. Chaque fois, c'est... Mais il y a le même accent à la con de... c'est bien plus ce bois. Waouh. C'est le même accent là qu'en Chine. Pareil. Et tout. Waouh. Et enfin, ce que j'ai appris, c'est que... En fait, un étranger en Thaïlande... Je vous apprends un truc. Attends, news exceptionnel. Un étranger en Thaïlande, on apprend... On s'appelle un pharan. D'accord. Un pharan, c'est un étranger, d'accord. Et ça vient en fait que les premiers colons étaient les Français. Ils sont arrivés et puis ils ont essayé de communiquer avec les autochtones et ils leur ont dit je suis français. Français. Mais t'as bien compris qu'ils peuvent pas dire les R. Donc de français, c'est passé de falancais. Et enfin, il en est resté que phalan. Donc du coup, tous les étrangers sont des phalans. Tada ! Merci la France. Merci, merci la France. Voilà. Bon, pub. Non, ah oui, non, mais la pub elle est finie là, c'est bon, on peut revenir à nos moutons. Bon, qu'est-ce que j'ai de suivant? Alors, ça c'est bon. La batterie, c'est fait. Alors, attends. Ah, ça c'est pas moi, ça c'est Nico. Nico, des fois, il gère les mails, il gère les partenaires, et enfin, il me dit, ouais, j'ai un truc, ouais, prends tout, c'est bon. Et en fait, c'est de la merde. C'est un espèce de trépied avec un support de télé. J'ai même pas ouvert. Avec un support. Ah ouais, Marco, il y a une espèce de griffe téléphone là. Là, il y a une télécommande. Oh, ça, remarque si ça l'a pas mal. Une petite télécommande Bluetooth pour mettre un truc. Oh, voilà un bel objet. D'accord, ouais, bon, c'est pas... Ça, il y a un Steadicam. Ok, d'accord, ça c'est bon. Est-ce que ça tourne? Ouais, ça se dévisse. Eh ouais, pas mal, ok. Ouais, bon, c'est pas si nul que ça. 45 balles, je sais pas pourquoi il a pris ça. Non, mais je vois, il me demande, oh, je te fais confiance, si tu trouves que c'est bien, prends. Voilà. Et j'ai reçu ça, et moi ça m'étonne que la meuf elle paye, je vais pas dire aussi cher, on n'est pas si cher que ça en review, mais bon, on prend pas ça gratos quoi. Donc voilà, elle m'a envoyé ça, j'ai réécrit en disant voilà, on l'a reçu ton truc là. C'est bon, il est là, parfait, on est bien, voilà. 45 balles, trépied smartphone, tripod télécommande Bluetooth. Oui, tripod, c'est pour tripoder. Ah oui, je sais que tu aimes bien. Chérie, je me suis... pour me tripoder. Voilà, perche, design, 360, trop bien. Enfin bon, voilà, je sais pas comment je vais vendre ça, mais ça a l'air pas mal. Bon, autre truc, tiens, j'ai eu des nouvelles de Hailu avec la RS4, parce que bon, la RS4, en fait, elle existe déjà sur AliExpress, et ils la vendent, moins de 50 balles. Alors là, il y a les promos, là, elle est un peu chère, mais il y a eu des moments, elle était à moins de 40 euros, hein. Enfin, moins de 50 euros, c'est sûr. Il m'a dit, à cause des problèmes en Chine, des confinements, tout ça, c'est reporté à une date ultérieure. Voilà. Donc, il sait pas quand, mais c'est reporté. Il a payé. Bonne nouvelle, il a payé. Ils sont tous, ils payent, sinon ils vont se faire voir. Il a payé et il m'a dit, c'est reporté à une date ultérieure. J'écoute, date ultérieure, tout va bien. Et après, c'est l'article du jour, donc tout va bien. Voilà, voilà un peu pour les produits que j'ai reçus cette semaine. Alors, c'est... pas beaucoup, oui et non, on a quand même reçu plein de trucs. Est-ce que j'attends encore plein de trucs? Pouah, laisse tomber. Bon, on a Aftershock, on était d'accord. OnePlus, peut-être les trois téléphones. J'ai Xiaomi avec leur nouvelle marque de montre, la Memo, m'a contacté. Me dit, on a la Memo, truc, vas-y, fais péter. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Bah, les téléphones Ulefone ou là, j'ai un tracking. Je sais pas si c'est le Oukitel ou Ulefone que je vais recevoir en premier. Pas mal. J'étais relancé par Blackview. On avait travaillé ensemble, puis on s'était un peu attrapé avec la meuf et elle m'avait un peu blacklisté. Et là, il y a un nouveau qui est arrivé. Lui, il est au courant de rien. Et lui, il veut bien travailler avec moi. On me dit, on a un nouveau Blackview résistant 5G. On est les premiers au monde à faire ça. Votre audience, elle va kiffer et tout. Je dis, c'est pas grave. Vous pouvez payer quand même. Un petit peu, mais vous payez, comme toutes les marques de ce monde. Il me dit, oui, mais nous, parce que je dis, non, rien du tout. Hein. Doogie, Oukitel, Ulefone, tous, ils payent le même prix. Il n'y a pas, parce que Blackview, ils arrivent la bouche en cœur.
Ouais, je fais ça super bien. Le bouche en cœur, et qui dit, mais nous, blague, nous, non, t'es le même prix. Et éventuellement, ça pourrait être plus cher. Donc, il a accepté, et il va me le faire partir bientôt. Voilà. Donc, il y aura pas mal de trucs. C'est vrai que toutes les semaines, on aura vraiment pas mal de produits à vous présenter. Exclusivité, mais le haut-parleur Mars, je l'avais déjà vu sur certains sites en ligne et tout, mais bon, à 250 balles le haut-parleur, enfin, tu sais, ça fait cher si le son est pourri, quoi. Il a de la gueule, on est d'accord. Après, si le son il pourra, bah, je vous dirais, le son il est pas terrible sur les médiums, voilà, je vous enroberai le truc, quoi, mais ça sera pas terrible, quoi. Voilà. Et ouais, 250 balles, ça fait quand même un risque audio qui est voilà, mais si ça claque vraiment, au niveau du design, ça claque, si en plus au niveau du son, ça claque, bah voilà, le prix claque déjà. Red. Ok, non, ça c'est bon, t'as vu la pub, ok. Mets tes clés dans la poche. Mets tes clés dans ta poche. Les clés de la batterie? La batterie? Non, ben non, il faut les mettre dessous, sinon ça démarre pas. C'est la gaule, pardon. Chez nous, les fans sont dans les forêts. Je sais pas sur quel délire vous êtes là en ce moment. J'ai du mal à accrocher vos blagues là. C'est qui? C'est Jeff qui est revenu ou pas? Il n'a pas ses blagues? Je ne comprends pas. Voilà. Donc voilà, voilà un peu pour les produits qui vont t'arriver et tout. C'est pas mal, il y a des trucs sympas. Je vous dis, bon, review, bah oui, bah après, il y a le Gravata, hein, les pays effets. L'Ailou, alors l'Ailou, les mecs sont toujours. Ah, il me dit l'Ailou, alors il paye. On sait pas quand elle va sortir, mais vous pouvez faire la vidéo. Et comme ça, dès qu'on est prêt, vous pouvez mettre en ligne. Je vais venir et c'est quoi le prix et c'est quoi les fiches techniques, faut que j'aille regarder chez les concurrents et tout avant regardez comment on va se battre et tout là. Donc bon, ça on verra, la montre elle est où, elle est ici. Voilà. OnePlus 10 demain, ça c'est bien. Et après, c'est vrai que j'ai que la batterie. Et puis après, Proscenic, faut attendre qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas mal de marques de robots de trucs là qui doivent arriver. Je sais plus la fois que c'est ma contactée, elle me dit on a un robot machin truc là, on vous l'envoie, truc. Puis quand je dis oui à tout, puis des fois c'est Nico qui reprend après le dossier ou qui me le renvoie après. Voilà, on dit tout et on dit toujours oui, on dit jamais non. Sauf pour l'anus, là on dit non. Mais après, pour le reste, c'est bon. Ok, bah c'est bien, on a tout fait. Quelle heure il est? 42, pas mal. Il est où mon téléphone? Il est là. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions, qu'est-ce que j'ai oublié comme anecdote? Est-ce que j'ai oublié une anecdote déjà? C'est déjà le plus important. Oh, attends, je regarde, j'ai plein de messages, c'est un truc de ouf. C'est dingue, ils dorment pas les gens ou quoi? Ah bah non, ouais, en France, c'est l'après-midi. Bon, ben ça tout à l'heure. Nanana. Il y a trop de lag. C'est pour ça que tu comprends pas. Moi, genre, attends, j'ai une super connexion de connexion. Il est où voilà, Twitch. Voilà. Twitch, il est là. Non. Attends, je suis en train de me regarder moi-même en Twitch. Il n'y a pas de lag. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Aucune question, votre honneur. C'est vrai. En plus, je sais pas ce que j'ai oublié. Je devrais noter quand j'ai des anecdotes, des blagues comme ça. Putain, elles n'arrêtent pas. Putain, l'autre avec ses contrats de machin. J'en ai une, deux, trois, là. Il y en a une la dernière fois aussi, pareil. Je l'ai envoyé bouler. Puis elle est revenue. Elle me fait, ah, ben c'est bon. Elle a refait le contrat comme je voulais. Mais ils essayent. Ils ont raison. En même temps, si ça passe, que le mec est en train de dire, ouais, mais bien sûr, je fais la vidéo, elle est à vous. Vous en faites ce que vous voulez, hein, ça veut dire que je prends pas cher, et après vous pouvez la prendre, la torturer, l'utiliser à des fins, voilà, des fins commerciales, bien évidemment, et après de pas travailler avec la concurrence, je veux dire, tu lis pas ça, et entre temps, tu es contacté par une autre marque qui te propose un produit similaire, tu fais la vidéo, le mec dit on vous paye pas, voilà, la vidéo c'est gratuit, par exemple, gratuit c'est bien aussi, voilà. Alors, j'essaie de m'abonner avec Prime. Mais c'est pas instantané apparemment. Mais si, demande à Shadow, il va t'expliquer comment on fait. Ah oui, c'est vrai que t'as un compte Amazon Prime, tout à l'heure, c'était un compte Amazon Prime. Ou alors je sais pas si t'as un compte. Alors, si t'as un compte Amazon Prime, faut aller dans le truc de gaming, de machin. Je sais pas trop comment ça marche. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je le mette là. Tac. Ok. Actualiser le chat. J'ai cliqué sur le chat, j'ai fait une merde. Il fallait pas que je mette le message là. Il fallait que je le mette dans la petite fenêtre à droite. Bienvenue sur le chat. D'accord, ça a tout dégagé. Tout va bien. Écoute, merci, Stani. Ah, Stani.
Stanislas, bien évidemment. Tavarish, Tavarish Stanislas. Ya, minia zabudrilisha, ya la zazvilit. Ça y est, je viens de... Oui, ben, il me faut un peu de temps, tu vois, pour que j'imprime. Liste que j'ai mis. Liste que j'ai mis. Sub. Ah, pour Streamlab, d'accord, ok, ça c'est bon. Dans le chat, pas sur la ligne. Comment ça, il y a du lag Stanislas. Tavarish Stanislas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, alors Tavarish, ça veut dire camarade en russe, hein, parce que c'était un des premiers mots que j'ai appris, parce que je trouvais ça, c'était vraiment camarade pop-off. Et il y a un YouTuber qui fait de la restauration de bagnole, qui s'appelle Stanislas. Qui s'appelle pas Stanislas. Non, je dis n'importe quoi. Je fais deux choses en même temps et comme je suis blonde, j'y arrive pas. Il y a un YouTuber qui s'appelle Tavarish. Voilà. Et je pense que... En fait, on peut pas comprendre la blague. Pourquoi il s'appelle Tavarish et tout. Mais voilà, quand tu parles le russe comme moi, et comme Stanislas, bah, tu sais que Tavarish, ça veut dire camarade en russe. Voilà. Tu sais peut-être que ça, comme nous, mais au moins tu le sais. Donc tu comprends que le mec, il arrive, il s'appelle Tavarish. C'est drôle, ça c'est camarade. Voilà. Ouais, bah au moins t'auras appris quelque chose, hein. Tu seras pas venu pour rien. Bon, ça c'est bon, là je vous ai mis tous les liens. Stanislas, il n'y a aucun lag. Mais oui, il n'y a aucun lag. Tu prévois des vacances en France? Alors, ça fait partie des doléances de mon ex-femme qui m'a dit, ouais, tu viens voir ton fils pour cet été, il est disponible du 1er au 31 juillet. Alors je dis ouais, merci pour les dates, ça m'arrange bien. Et bah, le problème, c'est que oui, j'aurais envie d'aller en France, voir mon fils et ma mère, parce que bon, c'est ma seule famille, comme Rémi, pas de famille, voilà. Et mais non, parce que c'est les vacances qui vont me coûter 3000 balles, quoi. Alors moi, je voyage que la nuit, parce qu'en plus, j'habite à Lyon et tout, donc je voyage à la journée et tout, c'est horrible, c'est trop loin et tout. Donc c'est vite 1000 balles. L'hôtel avec un gamin, t'es obligé de prendre deux lits à Lyon, c'est vite 100 balles par jour, donc 10 jours, 1000 balles. Et manger, parce que t'es à l'hôtel midi et soir, même des petits sandwichs et des petits machins, et puis bah, comme les journées sont longues, un petit cinéma de temps en temps, un petit truc et tout, c'est vite 1000 balles. Pour 10 jours, c'est vite 1000 balles, 100 balles par jour, quoi. Donc ça fait 3000 balles. Et je vous cache pas que 3000 balles. Peut-être en revendant les 3 OnePlus qui vont arriver. Non, mais voilà, 3000 balles pour aller en France. En fait, les France, c'est pas les vacances qui m'excitent. Enfin, vous comprendrez, moi j'habite à l'étranger. Moi, aller en France, c'est pas les vacances qui m'excitent. Oui, ça me ferait plaisir d'aller voir ma famille, enfin ma mère et mon fils, d'aller voir la France, faire une soirée geek, nanana, de manger des savoureux chez Paul avec des macarons à la framboise, tu vois. Oui, mais c'est pas les vacances à 3000 balles qui m'excitent. De me dire, je vais cramer 3000 balles pour aller là-bas. Même si Bug il m'attend pour la soirée geek et tout, toi, je suis pas, ça m'emballe pas. Je préférais partir en vacances. C'est pas les vraies vacances, quoi. C'est pas le kiff ultime. Donc j'ai plutôt essayé de voir si je peux faire venir mon fils parce qu'il a que 14 ans, mais que voilà, qu'il vienne lui plutôt en Thaïlande. Même s'il vient, que je lui paye l'avion et une accompagnatrice là-bas et tout, même en mini-jupe, tout ça, je crois que c'est 300 balles l'accompagnatrice pour les ados et tout, plus le billet d'avion, je veux dire, billet d'avion 700, 800, je dirais même c'est 1000 balles le billet d'avion, plus 300, c'est 1300 balles, il va quand même beaucoup plus s'éclater ici, il y aura beaucoup plus de choses à faire que moi d'aller en France, à Lyon, à dormir dans un machin, là, machin hôtel, là, et de zoner un peu dans Lyon et de faire un peu attention malgré tout, puisque tout est cher chez vous maintenant en plus. Voilà. Alors, je vous parle même pas de louer une bagnole, quoi, tu sais. Donc ça va être métro, truc, enfin bon. Enfin, c'est pas les. Tu sais, c'est pas des vacances de rêve, quoi. Tu dis, ah, tu sais, non, tu pars en vacances, c'est cool. Là, ouais, c'est cool, mais voilà. Je préférais attendre d'y aller à Noël et au moins on fait une bonne bouffe et d'économiser un peu et de dire, voilà, c'est Noël, on voit la famille, les cadeaux, tout ça, quoi. Donc là, tu vois, cet été, je suis pas chaud. Je vais tout faire pour pas. Voilà. Et puis bon, comme vous avez vu, là, lundi, tout va bien. Mardi, Covid, et puis tout repart en couille d'un coup. Donc, ouais, on va attendre un peu d'ici le mois de juillet. On sait pas ce qui va nous tomber sur la tête. Voilà, président démissionne et voilà, c'est notre nouvelle deuxième dame de France hein, qui va devenir. Enfin voilà, c'est un peu. Ouais, vous comprendrez que voilà, c'est pas les vacances qui me font rêver. Salut camarade Tavarish. Bah au moins vous aurez appris quelque chose, pas mal. J'attends aussi une soirée geek. Bah ouais, non mais voilà, soirée geek à 3000 balles, voilà.
3000 balles pour moi, quoi. Donc, je peux pas dire que je suis près de mes sous, mais bon, 3000 balles, c'est 3000 balles. Pour passer 10 jours en France, quoi, tu sais, c'est pas... Ouh, c'est à Lyon. Voilà. Et voilà, il y a le côté voir la famille et tout, on est d'accord. Mais il y a le côté, ouh, les... ouais, 3000 balles pour passer 10 jours à Lyon, quoi. Ouais. Trop bien. À manger des kebabs et prendre le métro, quoi. Voilà, tu sais... Ouais, il n'y a pas de... Ça sent pas la vacance, quoi, tu vois. Donc, pas trop, hein. Pas trop, malgré, hein. Apparemment, ils veulent remettre le pass sanitaire, vu la réélection. Putain, t'imagines s'ils remettent le pass sanitaire. Alors moi, je me suis fait vacciner deux fois, mais bon, ces deux fois, c'était août et septembre. Après, ils ont dit ici, là, ouais, alors vous pouvez aussi en remettre une dose. J'ai dit ça, hey, c'est bon, hein, vos trucs, là. Moi, je me suis fait vacciner mes deux fois pour avoir mon papier, hein. Et voilà, après, de là à me faire injecter tous les 6 mois et en suppos et tout, ça suffit. J'ai pas l'anus assez dilaté encore. Mais voilà, là, j'ai fait mes deux fois, et après, ça suffit pas à faire tous les 6 mois, machin, pour espérer pouvoir aller en France. Alors là, c'est même pas, c'est hors de question. On va se faire voir, c'est bon, le virus, ça suffit maintenant. Merci à Stani pour son petit diamant. Un diamant, c'est un diamant, hein. Si je cumule tout, ça me fait un petit sac, là, hop. Hop, je peux le mettre dans ma gauche, comme j'ai la couille droite plus lourde, hop, et ça équilibre, et voilà, je peux me balader avec mes diamants. Et un double dose pour rattraper le temps perdu. Ah ouais. Un Spoutnik et un... Alors, parce que tu t'es pas fait vacciner, on va te mettre un Spoutnik et un chinois. Ça t'apprendra. Voilà. Pour rattraper le truc. Comme ça, tu les auras toutes les marques. Moi, j'ai eu Pfizer 2, là. Ouais. Et un petit Moderna avant de prendre l'avion. En suppo. Voilà. Bon. Shadow. Près de le geek et l'abonnement... Pliflix, Pliflix, je sais pas ce que c'est, Pliflix, et se faire voler par des pickpockets dans le métro. Bah, ça va pas trop, après, généralement, dans le pickpocket, bah, dans le métro, tu les regardes un peu, tu sais, en pliant les yeux comme ça, toi, je me suis remis un peu à muscu, là, en plus, j'ai mon gamin qui fait 1m90, et 14 ans à 1m90, après, bon, il est taillé dans une allumette, mais bon, voilà. Tu fais un peu attention. Moi, généralement, de toute façon, c'est l'habitude. J'ai toujours une sacoche en bandoulière que je mets un plus devant et tout. Voilà. Non, mais voilà. Enfin, c'est pas les vacances de rêve, quoi. C'est vraiment pour dire d'aller les voir. Donc, pour moi, c'est pas des vacances. Et c'est vrai que ça fait. Bah, c'est 3000 balles. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. En dire. Si c'est pour aller là-bas et bouffer des pâtes et machin, rester à l'hôtel pendant 10 jours parce que t'as pas une thune et il faut rester pour le plaisir de rester avec ton gamin pour jouer à la console et tout et regarder la télé. Bah pareil, c'est pas les vacances, quoi. C'est vraiment pour se voir. Alors, il y a un côté plaisir, mais il faut qu'il y ait aussi un côté plaisir. Voilà, de vrai. Ah, puis, t'imagines, 10 jours sans massage, sans thaïlandaise, sans rien. Quelle pauvre vie. Ah. Sur quoi, quand on doit pas retrouver des thaïlandaises à Lyon. Mais bon, ça n'a pas être le même délire. Alors, à ce niveau-là, à finir en perf de vaccin. C'est Netflix version Pfizer. Abonnement au vaccin auto-renouvelable. C'est ça. Renouvellement automatique. Pour 2 ans. Pour 24 mois. C'est ça. Il y a un cadeau à gagner aujourd'hui? Non. Rien du tout. Fini. Finito. Non, parce qu'on n'a pas assez d'audience, les gars. Je suis désolé. Le Twitch, on fait environ 100 de vues. Le podcast fait environ pareil et GLG vidéo, on fait, je sais plus combien, 300 ou 400, je sais plus comment on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, 323 sur la semaine dernière, celle d'aujourd'hui, je l'ai mis ce matin, elle est déjà à 108. Donc environ 300 vues, tu vois. Malheureusement, j'ai essayé, mais j'ai pas de pouvoir là, je suis désolé. Ah, 185 déjà quand même. 185 pour l'émission. Merci à Stani. Pour les 3 diamants. Voilà. Donc, bon, pour environ 300 vues, tu vois, sur le replay, 100 là et 100 sur le podcast. Bon, ça fait 500 vues. C'est pas mal, mais malheureusement, j'ai pas de poids, moi, au niveau des marques pour dire, hey, on peut nous offrir des trucs. On a quand même 13 personnes qui sont là le soir pour nous regarder et 500 qui vont le regarder sur la longueur. Ça a marché un peu au début et malheureusement, j'ai du mal, tu vois, aller les voir. Les mecs, rien, vous faites pas de vues, quoi. Ouais, mais nous on veut sur GLG Review là où il y a 15 000. On l'en fait pas. Après, on m'a dit, ouais, mais tu devrais diffuser en même temps sur YouTube et tout. C'est pas le but. Le but c'est de faire Twitch et de faire du replay. Voilà. Ceux qui veulent venir viennent. Stani, il est bien arrivé. Je veux dire, si Stani il est arrivé,
Tout le monde peut y arriver. Donc malheureusement, non, pour l'instant, il n'y a pas de cadeau. Alors, est-ce que ça reviendra? Bien sûr. Ah oui, carrément, dès qu'on aura un peu... Ce qu'il faudrait, c'est que la vidéo, pendant le live, c'est qu'on soit au moins une centaine. Pas gagné, hein. Au moins une centaine, et que sur le replay, on arrive à faire au moins 1000 vues, tu vois. Et comme ça, voilà, là, on a des watts, et on peut dire aux marques, ouais, vous nous envoyez des trucs, ou alors on les fait gagner, et là, on a un pouvoir. Mais bon, là, le problème, c'est que j'ai gratté en sachant qu'ils n'allaient pas regarder sur Twitch et tout, pour... avoir des cadeaux, mais les gens viennent pas plus, quoi, tu vois, tu envoies des trucs, ils viennent pas plus, s'en battent les couilles, donc non, voilà, je suis désolé, c'est la triste réalité, aujourd'hui, je vous présente les produits que j'ai reçus, et c'est tout aussi bien, tout aussi quanti, c'est clair, reconduction, facile, lol, ok, nope, quoi, ok, nanana, les diamants, mais moi, je suis venu juste pour les cadeaux. Bah, je sais bien que t'es venu juste pour les cadeaux. Bah, malheureusement, t'es venu pour rien. Si, t'es venu pour le cadeau de nous voir. Et ça, c'est un cadeau incroyable. Cette bonne humeur. Quand tu regardes, pendant cette heure-là, on a bien rigolé, on a dit des gros mots, on a parlé un peu de cul, certainement. J'ai dû oublier, mais je vous ai présenté les produits, cette bonne humeur, ce sourire et ce petit gloussement de certains derrière leur écran. N'est-il pas aujourd'hui le plus beau cadeau du monde? Gratuit, un peu de sourire et de bonne humeur. Non mais c'est beau, hein. Je vais chialer, merde. Voilà. Non mais voilà, hein, il faut aussi au bout d'un moment savoir que tout ce bonheur, cette joie et ce partage, c'est le plus beau cadeau du monde. Es-tu comblé? j'ai jamais gagné, remboursé. Des nouvelles de Kaïsa? Non, mais non plus des batteries externes non plus. J'ai envoyé les nouveaux tracking et elle m'a pas répondu. Donc j'espère qu'elle vous a pas oublié. Sinon, j'attends toujours la souris. Bah écoute, elle vient tout doucement. C'est tout petit une souris, tu sais, si tu vas tout doucement. Il y a quand même 12 000 km à faire. En plus, imagine si elle passe par la Russie et par l'Ukraine, ta petite souris. Jamais, elle va se faire défoncer. Elle passera pas la douane. Un diamant pour l'ON Plus. Oui, ah oui, pour coller à l'arrière. Si t'as gagné, mais t'en voulais pas. Ah ouais, c'est vrai. Il y a aussi de ça. Et un diamant pour l'ON Plus, c'est bon. Tu es notre cadeau permanent. Exactement. Cette bonne humeur, ce sourire, ce moment de détente, est bien le plus beau des cadeaux que je puisse vous faire. Quel mytho, hein. Oui, ben je sais, non mais je sais, je sais plus qui m'a appelé son pseudo. Il y en a un qui est en train de se retaper toutes les vidéos WTS depuis. Il remonte une par une. Et en fait, je le sais parce qu'il met un commentaire à chaque fois. Il remonte les vidéos une par une. Tac tac. Et chaque fois qu'il arrive une vidéo, il met un commentaire. Là, il est sur la période Chine et tout. Quand j'étais en Thaïlande, j'allais en Chine, je faisais du vélo et tout là-bas. Voilà. Il remonte tout doucement les vidéos. Et chaque fois, il met un commentaire et tout. Et alors, enfin, il y a des vidéos longues, des fois des vidéos courtes et tout. Il m'a fait rire. Il doit avoir un peu de temps là. Il se fait les vidéos tout doucement et tout sur WTS. Ça, moi, ça me fait plaisir de ouf. Voilà. En même temps, plaisir de donner, joie de recevoir, tout ça. Les diamants, tout. Putain, on a tout pour être comblé. Hein. Je sais pas ce que vous voulez de plus. Hein. Vous êtes vraiment des petits cons. Hein. Putain, faut toujours plus. Hein. Le mec, il s'en va. Le mec, il s'énerve. Oh, puis allez vous faire foutre, je me casse. Le mec, il coupe, il s'en va. Non, mais non, il nous reste 2 minutes. Ça vaut pas le coup. On va rester jusqu'à la fin. Je lui ai tout envoyé car je voulais le test. D'accord, ok. Je vais devenir un tipeur qui arrête de tiper, ça continue. Mais non, tipeur, arrête de tiper. Dora l'exploratrice, bien évidemment. Mais non, parce que je rappelle, les tipeurs ont quand même, encore une fois, la joie, l'honneur et le privilège de recevoir toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde. D'ailleurs, tous les tipeurs de ce mois-ci peuvent déjà aller voir la vidéo du OnePlus 10 Pro. Par exemple, la regarder et de se dire, ouais, il est quand même plutôt pas mal, avant tout le monde, avant que je la mette en ligne demain. Même si il a déjà mis en ligne, là, j'ai déjà vu, putain, il met tout en avant, moi j'ai des dates, hein, chier. Là, il n'y aurait pas eu le jour de l'an chinois, il n'y aurait pas eu le jour de l'an thaï, j'aurais eu avant, j'aurais pu aussi la mettre plus tôt. Voilà. Et bon, plus tôt, n'est que le chien de Mickey, en même temps, à la base. Voilà, revenons-en, sois poli. Avec les gens. C'est ça. Il y avait une blague comme ça qui disait il ne faut jamais dire de mal de ces enculés de voisins. Voilà. Ça, c'était une des blagues là, moi, que j'ai entendu. Tu m'as fait mourir de rire.
Voilà, c'était pour la petite plaisanterie. Vous aurez eu quand même des petites anecdotes, des blagues. Tavari, je vous aurais pris un mot russe quand même, voilà. Les batteries. Les batteries. Vous aurez pris un peu de mot russe, vous aurez quelques blagues et tout. N'est-il pas un contenu incroyable? Donc pour tous ceux qui vont regarder ça sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, au moins pour le plaisir. Ceux qui sont là sur Twitch, pas vous, rien. Hein. Vous pouvez rien faire, je sais pas, vous pouvez mettre un commentaire en disant bah, c'était bien, hein, on a bien rigolé, on reviendra mercredi prochain. Et puis bah, pour moi, ça suffira à mon bonheur. Et voilà, bon, bah, je pense que 22h59, on est pas mal. Ainsi va donc s'arrêter ce live. Est-ce que je vais le mettre ce soir en podcast et demain je vais peut-être mettre demain en podcast. Parce que là, chaque fois, je le mets le soir. Moi, je dis non, puis après, allez, je fais juste le truc. Puis après, je dis, en même temps, c'est facile, il y a juste le nom à changer, à uploader. Puis après, je fais tout ça le soir, alors que je devrais faire autre chose. Je peux appeler Tavarish, là. Tavarish, Stanislas. Je peux appeler Stanislas après. Je peux dire, qu'est-ce que t'as pensé de ce premier live? Est-ce que plaisir, tu as pris? Et là, est-ce qu'il me répondra? Oh oui. Bah, par exemple. Bon, bah c'est tout. Voilà. Bon, il est 23h chez moi, donc il doit pas loin de 18h chez vous. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous bah, sur GLG Review plein. GLG vidéo bah, en replay tous les mercredis et sur Twitch dès la semaine prochaine, même heure, même endroit et même communauté. Voilà, par exemple. Allez, forcément, je vous kiffe. Prenez soin de vous. Bah, merci. Et merci pour les diamants. Merci pour les. Il n'y a pas eu de Tipeee aujourd'hui. Mais merci pour tous ces diamants-là. Je vais me préparer un petit sac et je vais tous les mettre dedans. Voilà, pour me faire belle pour mon week-end Lady Boy. Vous comprendrez demain dans la vidéo OnePlus. Allez, bonne journée. Bye bye. Thank you.